Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samospita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, ça fait au moins 2 jours que je n'ai pas encore fait de vidéo, c'est à cause du manque de temps. Voilà, donc je suis là pour vous donner un peu d'informations, et puis essayer aussi de postuler à ces bourses-là. Les bourses que j'ai reçu assez de liens, donc je vais essayer comme ça de vous partager cela en vidéo, comme ça, ceux qui veulent vraiment postuler, ou qui n'arrivent pas à les postuler, puissent voir au moins comment faire et puis essayer de postuler. Donc, dans un premier temps, si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube. Essayez aussi de partager mes vidéos. Et si c'est la première fois, vraiment, ça va vraiment me faire plaisir que vous likez la vidéo. C'est vraiment très gentil à vous. Donc, aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter la bourse de Copenhague, voilà, au Danemark. Donc, ici, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que ceux qui sont en licence peuvent postuler, le master peut postuler, ceux qui sont en doctorat aussi peuvent postuler. Voilà. Mais on va faire avec les moyens du bord. La bourse que je vais trouver ici, c'est la bourse du gouvernement danois. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la bourse du gouvernement danois, vous n'êtes pas obligé de postuler, hein, d'utiliser un formulaire pour postuler. Donc, vous allez voir comme ça dessus. On va essayer de faire ensemble comme ça. Vous allez comprendre comment ça se passe. Donc, ça, c'est l'interface qu'elle a. Et comme vous avez bien remarqué, vous pouvez venir là pour changer. Si c'est le danois que vous comprenez, vous pouvez venir là pour changer. Mais si c'est en anglais que vous voulez, voilà. Étant donné que nous sommes des étudiants étrangers, je vais cliquer sur anglais. Comme ça, la page s'incruste en anglais pour que je puisse vraiment vous aider. Donc, si vous venez là, vous pouvez voir directement ici les programmes. Voilà, ceux qui font le doctorat peuvent venir ici. Mais ce que moi, je vous conseille, c'est de venir là, cliquer là pour les étudiants internationaux. Je vais mettre en français. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, ici, vous voyez un peu étudiants internationaux. Donc, on va cliquer là. Et vous allez voir les sections qui sont déjà là. Vous voyez ici, par exemple, comme ça, prochaine date limite de candidature. Actuellement, les candidatures sont déjà lancées. Donc, ceux qui veulent vraiment aller étudier en septembre, voilà, la date limite, c'est le 15 janvier 2023, voilà. Et il y a d'autres aussi qui vont aller étudier aussi en septembre, mais ça, c'est pour les étudiants de l'UE, voilà, les Européens. Mais pour nous, pour les étudiants étrangers, c'est ce qui est là. Donc, voici nos programmes qui sont là. Et ici, c'est pour l'été. Bon, ça ne nous concerne pas. Ce que moi, je vous conseille, c'est ce qui est là. Voilà, donc si vous avez bien remarqué, ils ont dit programme de master à l'automne 2023 pour les étudiants hors UE. Donc ça veut dire que ça dépend et c'est pour nous les étrangers. Voilà, donc ici par exemple, je vais, ceux qui veulent voir un peu la vie là-bas et tout, vous pouvez, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les études sont en anglais, voilà. Les études sont en anglais, alors ceux qui n'ont pas vraiment de niveau en anglais, essayez de vous mettre à jour. Et puis, ceux qui veulent postuler aussi peuvent essayer de choisir les éléments ou bien les facultés qui sont en anglais pour pouvoir postuler. Donc, arrivé là, nous allons cliquer sur les éléments qui sont là. N'oubliez pas, c'est le 15 janvier 2023. Donc, vous avez minimum 1 mois pour pouvoir postuler et être reconnu pour pouvoir avoir une admission ici. Donc, ici, ça ne prend pas du temps. Puisque vous allez aller étudier là-bas en septembre, si vous postulez actuellement le 15 janvier, les résultats vont sortir en mai. Voilà. Donc, on va cliquer là sur le programme de master. On va voir un peu ce qu'on nous dit ici. Donc, n'oubliez pas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la bourse. Donc, ici, date limite d'inscription. Si vous souhaitez postuler pour une maîtrise à l'Université de Copenhague, veuillez prendre les connaissances des dates clés suivantes. Certaines formations ont une date limite de candidature à la fois le 1er mars et le 15 octobre. D'autres programmes n'ont pas une date limite de candidature qu'une fois par an. Bon, ça nous intéresse pas. Ce qui est ici, c'est pour les OUE aussi. Date limite de candidature le 1er septembre ou avant. Ça, c'est pour ceux qui veulent étudier en février. Donc, ceux qui veulent étudier en février, la date est déjà passée parce que c'est le 1er septembre ou bien avant le 1er septembre. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent étudier en septembre prochain, c'est-à-dire septembre 2023, la date limite, c'est le 15 janvier. Ça, je l'ai déjà dit. Et vous recevez une réponse au plus tard le 10 juin. Mais dans les normes, ça vient à chaque instant en mai, le 1er mai. Voilà, pas du 1er mai. Donc, ici, par exemple, comme ça, nous, ce qu'on va faire, on va voir un peu les éléments qui sont là. Description, programme de master, tout. Voilà, donc on vient là. Après, je vais aller sur la bourse, comme ça vous allez comprendre. Et puis, vous allez essayer aussi de postuler à la bourse.
Voilà, donc voici un peu les facultés qui sont là. Voilà, ça, ce sont les facultés qui sont là. Donc, pour pouvoir postuler ici, par exemple, moi, je veux postuler en biochimie. Je peux cliquer sur biochimie ici. Voilà, je vais voir les conditions pour pouvoir intégrer cette faculté-là. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, si vous voulez voir les conditions, vous voyez ici, candidature UE, c'est 1er mars. Maintenant, candidature hors UE, c'est 15 juillet. C'est 15 janvier. Donc, c'est à vous maintenant de voir. Maintenant, si je veux voir les critères de candidature, je viens là. Si je veux voir la carrière que ça me donne en biochimie, je viens là. Vous voyez un peu. Donc, si je clique sur, par exemple, critères d'admission, je vais voir un peu les critères. J'ai besoin de quoi pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà. À cette admission. N'oubliez pas, c'est l'admission. Je vous ai déjà dit que pour pouvoir postuler à la bourse, de toute façon, je vais vous montrer ici. Vous-même, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Donc, baccalauréat remplissant automatiquement les exigences académiques. Voilà, vous devez avoir d'abord le baccalauréat. Après cela, exigences linguistiques. À moins que vous n'ayez pas un, vous ayez un accès réservé au programme auquel vous postulez, vous devez documenter une maîtrise, votre maîtrise de l'anglais, voire les exigences linguistiques. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez voir dans tous les éléments. Vous pouvez venir même ici pour aller voir les vidéos et tout ça. Nous, la vidéo, c'est-à-dire, on veut faire un truc rapide. Donc, on va pas vraiment s'emmerder pour ça. Donc, ici, préparez-vous pour votre candidature. Donc, si vous cliquez là, vous allez voir que on vous donne accès à des éléments, voilà, pour pouvoir postuler. C'est-à-dire ici, par exemple, comme ça, comment s'inscrire. Nous vous recommandons de vérifier les conditions d'admission, les procédures de candidature, tout ça. Donc, vous allez cliquer là et puis vous allez essayer maintenant de chercher à postuler. Ou bien aussi, vous pouvez aller postuler dans vers le début, il y a un lien là-bas, vous pouvez utiliser aussi pour postuler. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais me retenir et puis on va aller voir l'état de bourse parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, pour l'admission, c'est pas aussi compliqué que ça. Vous pouvez postuler pour une admission simple et puis voilà, avoir l'admission aussi facilement. Maintenant, ce que nous on cherche, voilà, n'oubliez pas, pour pouvoir postuler, vous pouvez venir là pour postuler, c'est pas un problème. Ce que nous on cherche la bourse. Donc on va cliquer là et là, je vais mettre en français comme ça ceux qui me suivent peuvent mieux voir. Ok, donc ici la bourse est prêt. Ici on vient là, bourse est prêt. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de bourse et il y a la bourse du gouvernement danois. Donc vous venez là, bourse du gouvernement danois, ici vous cliquez là. Et à partir de là, vous allez voir qui peut postuler à la bourse et puis comment ça se passe. Donc ici, par exemple, l'Université de Copenhague offre un nombre limité d'exceptions de frais scolarité. Ok. Et ici, la bourse du gouvernement danois est accordée sous forme d'exonération totale ou partielle des frais de scolarité. Donc ça va dépendre de la qualité de votre document ou d'un montant couvrant les frais de subsistance de base. Ici, l'université attribue les bourses uniquement sur la base de la réussite scolaire. Voilà, donc si vous avez vraiment des mentions, sachez que vous avez au moins une grande probabilité d'avoir ces bourses-là. Ainsi, le besoin financier n'est pas pris en compte. Donc, ça veut dire que même si vous avez des critères d'une personne qui n'a pas les moyens et tout ça, cela ne veut pas dire que vous allez avoir la bourse. Si vous n'avez pas les moyens et que vous travaillez bien, c'est sûrement que vous allez avoir la bourse. Vous avez une grande probabilité d'avoir la bourse. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, tous les candidats non UE au programme de maîtrise en sciences de Copenhague seront automatiquement considérés pour la bourse du gouvernement danois, à condition qu'ils soient éligibles. Ainsi, il n'est pas nécessaire de postuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous ai dit en premier instant, vous avez juste à chercher à avoir une admission. Et une fois que vous avez l'admission, directement, vous êtes considéré pour la bourse, une fois que vous êtes étudiant étranger. Et c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir faire quoi? Avoir cette bourse-là et aller y étudier. Donc, conditions spécifiques de la faculté, ici sciences sociales. Si vous lisez bien, la faculté de sciences sociales ne dispose que d'un nombre très limité. Voilà. Et en tant qu'étudiant nouvellement admis, vous recevez un mail de la faculté dans le portail d'admission, d'application au début du mois de mai. S'il contient d'informations sur comment et quand payer les frais de scolarité, cela signifie que vous n'avez pas obtenu la bourse. Donc, vous comprenez un peu. Si par exemple, comme ça, une fois que je vous explique un peu plus simple, une fois que vous avez déjà postulé,
OK, et que vous avez obtenu l'admission, de toute façon, vous allez recevoir, vous allez créer, ils vont créer un compte pour vous sur la plateforme. Et si vous allez sur la plateforme et que vous voyez, il y a une partie où il est écrit que vous devez payer des frais de scolarité, ça veut dire que vous n'avez pas reçu la bourse. Mais si cet élément n'existe pas, ça veut dire que vous avez la bourse et vous n'allez rien payer. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce sont les caractéristiques de quelques facultés qui sont là. Voilà, donc vous pouvez voir, même les étudiants qui veulent faire la médecine aussi peuvent vraiment postuler à la bourse. Donc, c'est pas un problème pour ça. Donc ici, comment puis-je postuler pour une bourse? Vous ne postulez pas pour une bourse, car toutes les candidatures éligibles or seront prises en considération pour une bourse. Donc, je répète encore, vous ne postulez pas, vous postulez seulement pour une candidature. Une fois que vous avez la candidature, ils vont vous conduire directement, ils vont vous reconduire directement pour la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de vérifier rapidement s'il y a des frais d'admission et tout ça. S'il y a des frais d'admission, alors ça sera combien pour les frais d'admission? Parce que pour une grande institution, pour une grande université comme ça, je suis sûr qu'il y a des frais d'admission et les frais d'admission existent. Donc, ici, frais d'inscription, ici, je clique là et on va voir ensemble combien ça fait les frais d'admission. Donc, ici, si vous êtes un citoyen de l'extérieur de l'UE ou de la Suisse, depuis, vous devez payer des frais de 750 dollars danois, voilà, environ 100 €. Voilà, donc tout ce qui est fait, c'est dit. Donc, vous devez payer 100 € pour l'admission. Et voici comment est-ce qu'on paye les 100 €. Vous pouvez lire là, vous allez voir comment ça se passe. Ceux qui n'arrivent pas à faire vraiment, essayez de m'écrire en commentaire, voilà, pour qu'on puisse vous aider à faire. J'ai dit bien en commentaire de la vidéo. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule. Voilà, candidature et admission. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule. Comme ça, vous allez mieux comprendre et puis vous allez chercher à postuler. Voilà, donc, si je dois venir là pour pouvoir postuler, je viens là et puis je choisis ma faculté et puis voilà, j'essaie de postuler tranquillement et sans problème. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Spita. Je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo et je vais essayer moi-même de postuler pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Ok. Les gars,